que tu fais? Rien. Comment rien? Tu fais pas rien, tu as un crayon à la main et tu écris. Alors tu fais pas rien. J'écris alors. Tu écris quoi? Rien. Comment ça, tu écris rien? Tu peux pas écrire rien si tu as pris la peine de sortir un papier et un crayon. J'écris un journal. Oh. Et ça parle de quoi, ton journal? De rien. Comment ça, de rien? Mais ça ne se fait pas, écrire des journaux de rien. On n'écrit pas des journaux de rien du tout. C'est contre la loi de la bienséance et du bon sens. Quand on écrit, c'est pour écrire quelque chose. C'est élémentaire, Fripp. C'est personnel. Montre-moi. Montre-moi, je veux voir, je veux savoir. Montre-moi. Non, Pouille, tu ne peux pas. Comment ça, je peux pas? Pourquoi je peux pas? Pouille, j'écris un journal intime et c'est très personnel. Il y a toutes mes pensées et tous mes secrets là-dedans. Alors tu ne peux pas le voir, un point, c'est tout. Comment tu... Ça veut dire que tu vas écrire un journal et jamais me le montrer? C'est ça. Ça va être comme un secret? C'est ça. Non. Non, Fripp, tu peux pas faire ça. Et pourquoi pas, monsieur? Parce que je vais devenir complètement fou, moi. Je vais être complètement gaga. Tu vas avoir un secret que je ne saurais pas. Je ne pourrai plus jamais vivre ma vie normalement si je sais qu'il y a quelque chose que tu sais que je ne sais pas. Je ne dormirai plus. Je ne boirai plus. Je ne chanterai plus. Je n'irai plus rien. Oh, Fripp. Oh, ma vie n'aura plus de couleur, ni d'odeur, ni de saveur. Ça va être horrible. Plus rien, Fripp, ne sera jamais pareil. Tu ne m'as jamais rien caché, Fripp. Non, tu peux pas. Je t'en prie, Fripp, donne-moi ce journal. Pouille, ne dramatise pas. Donne-moi ça. Pouille, donne-moi ça. Tout de suite, ça suffit, c'est ridicule. Tu ne peux pas lire mon journal intime, Pouille. C'est extrêmement personnel. J'y mets toutes mes pensées, ce que je pense de tout, mes secrets, mes mauvais coups. Alors comme c'est personnel, tu ne peux pas le lire. Mais Fripp, tu n'as jamais eu de secret pour moi. Eh bien maintenant j'en ai, tourne-toi. Comment ça me tourner? Pourquoi me tourner? Le temps que je mette mon journal intime dans sa cachette. Comment tu veux le cacher? Oh mais si, je ne voudrais surtout pas que tu sois tenté de le lire. Je ne lirai pas, Fripp, je te promets. Tu ne le liras pas parce que je vais le cacher et que tu ne le trouveras pas. Comment? Parce que tu n'as même pas confiance en moi. Non, je n'ai même pas confiance en toi. Tourne-toi. N'en crois pas mes oreilles. Mes oreilles n'en croient pas elles non plus. Bon, très bien. Puisque c'est comme ça, moi aussi je vais avoir un journal intime. Et il sera gros comme ça, mon journal intime. Il sera bourré de secrets, totalement secrets. Voilà, tu peux te retourner maintenant. Et tu pourras jamais le lire. Jamais, 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 jamais. Bon, et bien tant mieux parce que comme ça on sera quitte. Oh, Pouille, cesse de bouder, tu es ridicule à la fin. Je m'en vais prendre l'air, est-ce que tu viens? Non, il n'en est pas question. Mais c'est ça. Oui, grimpe là-haut, prendre un petit peu de soleil. Pendant ce temps, je vais secréter un ou deux secrets et je te remonte te chercher tout de suite. Très bien. C'est ça. Et maintenant, à nos deux, journal intime. Je vais mettre la main à ce journal ou bien je veux bien me laisser pousser les pieds. Pauvre petit Pouille. Il est tout bouleversé parce que j'ai un journal intime et qu'il ne peut pas le lire. Dans le fond, je pourrais très bien le lui montrer. Tiens, s'il se montre assez gentilhomme pour respecter mon secret, je le lui montrerai, mon journal intime. Oui, et comme ça, il me montrera le sien. C'est décidé, je vais le lui montrer.
Oh. Monsieur lit dans mon journal intime sans ma permission. Ah ah. Monsieur veut mettre son nez dans mon journal intime. Eh bien, je vais lui préparer un de ces petits tours qui lui fera passer l'envie des secrets, moi. Tu te retournes, s'il te plaît, le temps que je cache mon journal intime. Mmh. Pas de problème. Tu n'es plus du tout fâché, n'est-ce pas, mon petit pouille, que j'ai un journal intime? Mais non, tu as bien droit à ta vie privée, rien de plus normal, frère. Je suis très heureuse de te l'entendre dire. Mmh. Voilà, tu peux te retourner maintenant. Alors tu vas prendre un petit peu d'air sur le toit. Oui, oui, maintenant que mon journal intime est bien rangé, je vais prendre un peu de soleil. Bon, alors je te rejoins tout de suite. Moi aussi, il faut que je fasse mon journal intime. À tout à l'heure. À tout de suite. À tout de suite. À tout à l'heure. Rien, rien du tout. Je voulais juste te dire bonne écriture de ton journal intime. Merci. Elle est vraiment bizarre, elle, aujourd'hui. Oh. Bon. Aujourd'hui même. Cher journal intime. Aujourd'hui, il fait un temps splendide et j'ai un tas de secrets complètement confidentiels à te confier. Je savais. Si Pouille pouvait réaliser mon rêve, je lui serais éternellement reconnaissante. Tellement reconnaissante que je lui donnerais le vélo de montagne dont il rêve. Comment? Elle me donnerait un vélo de montagne? Puisqu'elle te dit. Un vélo de montagne? C'est pas possible. Mais enfin, c'est écrit en toutes lettres. Tu sais pas lire. C'est pourtant vrai. Ce que je voudrais plus que tout au monde et que je serais prête à récompenser de magnifiques vélos de montagne, c'est que Pouille me laisse lire son journal intime. Ah non, il n'en est pas question. Si je ne peux pas lire le sien, il est hors de question qu'elle lise le mien. Quoique pour un vélo de montagne... Ce serait complètement différent. C'est ce que je me suis dit. Pardon? Rien, rien, j'ai rien dit. Ce qu'on ferait pas pour un vélo de montagne. Je trouve que tu as l'air bizarre. Ah non, non, Fripp, je suis pas bizarre du tout, voyons. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, je sais pas, moi, on pourrait... On pourrait faire de la lecture. De la lecture? Oh oui, c'est une excellente idée, sauf que je n'ai rien à lire. Ah! Savoir ce que tu fais là. Oh, je me délie les muscles.
Tu as échappé ton journal. Oh, tu peux le prendre, Fripp. Oh non, non, je voudrais surtout pas me mettre le nez où il n'a pas d'affaire. Ah non, justement, tu vois, je me disais que tu pouvais peut-être me donner ton idée sur mon style littéraire et que, en fait, ce serait peut-être... oui, c'est... Tu peux le lire, Fripp, tu peux le lire. Il s'est fait avoir comme un débutant. Oh, oh, Pouille, Pouille, t'es vraiment trop gentil, je ne sais pas comment te remercier. Et maintenant, à moi, le super vélo de montagne. Tu vas faire des courses? Non, non, je vais prendre un peu l'air, tu viens avec moi? Non, je peux pas. Je dois terminer la réparation de mon vieux vélo. Bon, très bien. À tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est curieux, ça. Elle n'a même pas parlé de mon vélo de montagne. Je vais aller voir dans le journal si elle n'en parle pas. Journal. Tout à l'heure, Pouille m'a fait une grande joie. Il m'a laissé lire son journal intime, ce qui est bien une grande preuve d'amitié de sa part. Je savais bien qu'elle avait aimé. C'est exactement ce que je voulais. On jurait qu'il lit dans mes pensées. Comment a-t-il pu deviner que j'en rêvais? Cependant, son journal n'était pas très intéressant. Et en plus, il n'était pas très bien écrit. Je voudrais bien t'y voir, moi. C'est pourquoi je ne lui donnerai pas le vélo de montagne que je m'étais promis de lui donner. Comment? Elle ne me donnera pas mon vélo de montagne? Et pourquoi qu'elle ne me donnera pas mon vélo de montagne? J'ai changé d'idée parce que Pouille a le nez trop long et qu'il fouille dans mon journal intime. Et sans ma permission. Que ça va lui donner une bonne leçon. Ça lui apprendra à ne pas respecter les secrets des autres. Bonjour, mon petit Pouille. Alors, monsieur Pouille, on écornifle dans les journaux intimes des autres? Traître à la patrie. Je t'ai bien eu. Viens ici que je t'attrape. Ah oui, comment? En vélo de montagne? Viens ici que je t'attrape, toi.